Hello, bienvenue dans ce nouveau concept que je pense qu'on va appeler Take a Break with Qualité, où en fait je vais vous proposer des petits endroits qui sont pas loin de Tana, voire vraiment à Tana, pour un petit week-end, une journée, un long week-end aussi, histoire de souffler, d'être un petit peu hors de la ville sans forcément aller trop loin. Et puis aujourd'hui on est à Ikupa Hotel, c'est un Kadajatum, vraiment juste au bord en fait de l'Ikup, pas loin du barrage d'ailleurs. Et je vais vous montrer ça dans la vidéo, plus les prix, le repas, comment c'est, la chambre, etc., etc. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau concept. En tout cas, j'avais hâte de le faire. Et enfin, nous y voilà. Comme vous pouvez le voir ici, la nuitée est à partir de 90 000 aria. Et il y a des chambres avec balcon par exemple et vue sur l'Ikup à 100 000 aria ou vue sur la piscine. L'allée pour rejoindre la chambre est sympa, on a la vue sur la verdure, ça fait plaisir. Et je m'excuse pour les tremblements dans la vidéo, je me suis essayée à autre chose, mais bref. Voilà un bout de la chambre qui est propre, cosy, aérée et grande. Ici on a la vue sur l'Ikup et quelques araignées. J'ai oublié de prendre la douche en vidéo, mais le style est sympa avec un côté pierre. Ici on a le restaurant ouvert jusqu'à 21h avec une atmosphère chill, mais on peut également manger en extérieur près de la piscine. J'ai pris un Virgin Mojito qui est pas mal du tout, parfait je trouve pour moi avec la chaleur. Ensuite c'était grillade mixte avec 4 fois 125 g de viande qui manquait malheureusement de goût sauf le porc. On a également pris une pizza montagnarde avec une pâte qui manquait de cuisson, dommage car elle était vraiment bonne. Et des mesquites à deux zébus ou brochettes où il y a 10 pièces il me semble. Petit manque de saveur également, mais les légumes avec la vinaigrette étaient super. L'endroit est vraiment sympa avec toute cette verdure et des coins où on peut se poser tranquillement avec le bruit du vent sur les feuilles. On n'a pas pris de petit déjeuner parce qu'on n'avait vraiment pas faim, mais je vous ai quand même pris la carte. Vous pouvez voir qu'ils proposent des viennoiseries, du pain beurre confiture, une omelette nature, des œufs au plat, du varemnan, et également des formules comme continental, américain, malagas et gourmand. Sans oublier bien sûr les boissons chaudes avec thé, café, chocolat chaud et différentes autres boissons au café. Et si vous voulez manger dans votre chambre, le room service est à 5000 aria par jour. Le macchiato, vous l'avez vu dans les boissons chaudes, donc on a demandé des glaçons parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Surtout qu'on mangeait près de la piscine, comme il y avait un anniversaire dans le restaurant avec une grande grande famille. Mais avec cette chaleur, on a dû redemander encore d'autres glaçons pour la refroidir, même si je souhaitais vraiment la boire bien glacée. Donc le premier plat qu'on a reçu, c'était le calamar pané qui était pas mal, la cuisson en tout cas, elle est maîtrisée. Ensuite une côte de zébu grillée, 600 g d'après ce qui est écrit sur la carte, avec des frites qui étaient nettement meilleures que celles de la veille. Et encore une pizza parce qu'on a voulu donner une deuxième chance, on a pris la royale avec jambon, champignons, fromage, tomates fraîches, olives et là rien à dire, bien cuite et savoureuse. Pour les activités, déjà il y a des coins de chill de ce genre où on peut se poser vraiment tranquille. Et pour les enfants, il y a également un coin avec un petit toboggan, une balançoire à bascule, trampoline. D'ailleurs, regardez ces jolies demoiselles aussi qui se promenaient tranquilles. Vous avez aussi un massage en chambre qui est dispo. On a le choix entre 30 minutes et 1 heure, de quoi se relaxer. Et bien sûr, la piscine. Il y a aussi des jeux de société et c'est 5000 arrières pour une heure si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Ikupa Hotel se trouve à un Kadjatum près du barrage Manchuses. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir enfin commencer ce genre de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je pourrai vous en proposer d'autres très vite. Bye!